Alors, juste avant qu'on démarre, une petite information pour la salle. Il se trouve que le débit Internet de la salle pour diffuser à l'extérieur n'est pas gigantesque. Et du coup, une petite chose, nous demandons à toutes les personnes qui, avec leur téléphone, utiliseraient le Wi-Fi de l'université, de se déconnecter du Wi-Fi, juste pour nous laisser un petit peu de place. Petite demande technique. Merci beaucoup. Vous êtes bien à l'événement Mon apprentissage en 180 secondes. Alors, ces 180 secondes un peu relativistes. Vous savez, en astronomie, par exemple, il y a des astres à côté desquels, quand on passe, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse que sur Terre. Le temps est quelque chose qui se dilate ou qui peut se contracter. Une minute ici, ce n'est pas une minute là-bas. Et ce n'est pas subjectif, hein, c'est réel, c'est physique. Là, il se peut que l'université Paris-Saclay ait allumé son trou noir un petit peu trop tôt. Et du coup, on a 180 grosses secondes. Mais ça devrait arriver. De toute façon, un événement en direct sans petit problème technique n'est pas un vrai événement en direct. J'ai entendu un A soulagé, ça y est. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que ça va? Grosse ambiance cet après-midi.
Allez, bienvenue donc pour cette édition 2022, comme je vous le disais, du concours Mon apprentissage en 180 secondes, organisé par l'École universitaire de premier cycle Paris-Saclay, avec le soutien de la Fondation Paris-Saclay. Alors, comme le concours Ma thèse en 180 secondes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, eh bien, mon apprentissage en 180 secondes, qui s'en est inspiré, il a été créé pour permettre aux étudiants de premier cycle de travailler leur qualité de synthèse et de vulgarisation pour résumer en 3 minutes le contenu de leur travail d'apprentissage qu'ils ont effectué cette année, mais pas seulement, aussi ce que cet apprentissage leur a apporté. C'est ce dont ils vont vous parler tout à l'heure. Voilà, que ce soit évidemment dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Aujourd'hui, ce sont donc 10 candidates et candidats qui vont se prêter au jeu devant vous public qui êtes ici dans le bâtiment, dans l'amphithéâtre A1 du bâtiment H-Bar, mais aussi devant vous, internautes, qui suivez en direct ce concours sur la chaîne YouTube de l'Université Paris-Saclay. Et pour commencer cette soirée, eh bien, je vais laisser la parole à Isabelle Demachy, vice-présidente formation, innovation pédagogique et vie étudiante de l'Université Paris-Saclay, qui sera aussi la présidente du jury d'aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je vais appeler tout de suite à côté de moi Pascal Aubert, le directeur de l'école universitaire de premier cycle, pour cette introduction. Chers étudiants, chers collègues, chers membres du jury, chers internautes, bienvenue à cette deuxième édition du concours Mon apprentissage en 180 secondes, dont la paternité revient à Pascal Aubert, sur une idée originale de Pascal Aubert. Donc la première édition a été un succès planétaire, peut-être interplanétaire, on ne sait pas. De toute façon, on est ici dans le bâtiment de la physique, bâtiment H-Bar, qui est quand même là pour justement nous emmener vers les étoiles. Et donc, on voulait bien sûr renouveler cette expérience du concours Mon apprentissage en 180 secondes, qui met à l'honneur les apprentis de l'Université Paris-Saclay. Et on est très fiers de tous les étudiants qui sont dans nos formations en apprentissage. Et on souhaite, au travers de ce concours, leur donner l'occasion de partager avec nous leur expérience, leur passion, leur projet. Et je suis certaine qu'on va pouvoir se régaler des 10 interventions qu'on va entendre tout à l'heure. Donc l'Université Paris-Saclay, au travers de ça, mais bien sûr tous les jours, et avec des responsables de formation très engagés, est convaincue que l'alternance est une voie d'excellence, que c'est en fait la voie royale pour à la fois se former et acquérir une expérience professionnelle. Donc en premier cycle, on compte aujourd'hui environ 800 apprentis et une quarantaine de formations par apprentissage dans la partie qu'on appelle premier cycle. Mais au total, sur l'Université Paris-Saclay aujourd'hui, c'est près de 3500 étudiants apprentis. Donc vous voyez que ça se propage à tous les niveaux d'études. C'est évidemment un parcours exigeant, parce qu'il demande beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, il demande de développer des compétences à la fois académiques et professionnelles, il demande de pouvoir se déplacer, d'être autonome, et donc j'imagine que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de persévérance, et puis c'est aussi souvent du soutien des proches, des familles, donc on peut aussi remercier, en fait, on peut féliciter les étudiants, mais aussi remercier leurs familles ou leurs proches qui les accompagnent pendant toute cette période-là. L'avantage, c'est qu'avec une formation par apprentissage, on ressort préparé pour l'insertion. Et ça se traduit de façon très concrète, puisque 91% des diplômés de licence professionnelle sont insérés dans les 6 mois qui suivent leur diplôme et la fin de leur formation. Donc c'est bien sûr la trace de leur succès et de leur capacité à répondre aux besoins des employeurs. Donc,
Pour tout ça, ces étudiants ont mis beaucoup d'efforts, ces apprentis ont mis beaucoup d'efforts. L'université les accompagne au quotidien, au travers des formations, au travers de leurs tuteurs, donc au jour le jour. Et puis, encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'engagent pour le fonctionnement de l'apprentissage, parce que c'est souvent aussi beaucoup de temps d'engagement pour les responsables de formation ou pour des gens comme Sylviane Liotenberg ou Nicolas Liebo, qui font en sorte que beaucoup de choses fonctionnent dans l'université aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc on va aujourd'hui pouvoir vous écouter, on va pouvoir aussi remercier toutes les entreprises qui nous accompagnent au travers de ces formations par apprentissage. Donc je souhaite bonne chance à tous les candidats. Je vous souhaite à tous dans la salle de profiter le plus possible de ce moment. Et puis, merci aux membres du jury d'être présents ce soir, avec membres du jury qui ont pour mission principale, surtout, d'être très attentifs pour qu'on puisse tout à l'heure faire en sorte de pouvoir récompenser parmi les finalistes donc, les interventions qui nous auront le plus séduites, émues, emportées. Donc voilà, soyez convaincants. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame de Machy. Et je vais maintenant donner la parole à Pascal Aubert, directeur de l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay. Merci. Bon, Isabelle, elle part. Elle m'a laissé tout seul. Donc, ne votez pas pour nous hein, tout à l'heure, hein, pour le vote public. On ne fait pas partie du... chère Isabelle, merci. Madame la vice-présidente de la CVU, chers membres du jury, chers collègues, chers étudiants. Merci, Isabelle, de présider ce jury. Et cette deuxième édition hein, de ce concours, mon apprentissage en 180 secondes. L'année dernière, c'était Sylvie Retailleau qui était notre présidente, hein, qui était la présidente de ce jury. Et comme tu peux le constater, présider ce concours, ça ouvre beaucoup d'horizons. C'est un vrai tremplin. Donc accompagner nos étudiants de premier cycle vers la réussite, que ce soit à travers l'insertion professionnelle ou la poursuite d'études, c'est vraiment un enjeu majeur pour l'école universitaire de premier cycle. Et ce concours a été créé dans cet état d'esprit. C'est évidemment pour valoriser le travail et l'investissement de nos étudiants, et en particulier ceux qui ont fait le choix de l'apprentissage. C'est des études qui, en même temps, évidemment, on doit acquérir des connaissances disciplinaires, et en plus dans l'entreprise. Donc c'est un double enjeu et un double travail. Cette année, on avait 53 apprentis hein, qui se sont inscrits pour participer à ce concours. 10 ont été sélectionnés, vous allez les voir, ils sont merveilleux et merveilleuses. Et ils ont été accompagnés et ils ont été préparés grâce à un coach lors de séances qui les ont aidés dans la prise de parole en public. Et vous allez voir, je pense que c'est évidemment très très réussi. Les remerciements, je suis un peu obligé, on n'est pas à Cannes, mais on est en plein dedans. Je voulais remercier les membres du jury qui ont vraiment accepté de départager ces candidats, ce qui ne va pas être facile, je vous assure, tout à l'heure, ça va être votre mission. Remercier tous les partenaires de cet événement. Il y a la Fondation Paris-Saclay Université, on a la communauté d'agglomération Paris-Saclay qui nous accompagne maintenant depuis 2 ans, la CASDEN, Banque Populaire et EDF. Donc merci à vous hein, pour nous aider. Alors la nouveauté, effectivement, cette année, c'est que vous allez pouvoir voter tout à l'heure pour un candidat qui va être le prix du public. Donc c'est une petite nouveauté. Donc prenez des notes, hein, parce que vous allez devoir travailler aussi, il n'y a pas que le jury qui va travailler. Et je voulais aussi remercier en même temps le département de physique de l'UFR Sciences, qui nous accueille dans ses locaux depuis 2 ans. Et puis Design Spot, qui a vraiment travaillé sur le logo et en même temps sur le trophée qui vont être remis tout à l'heure. Donc je souhaite vraiment bonne chance à nos 10 candidats-candidates. Et je vous remercie de les soutenir. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Aubert. Et maintenant, on va passer au déroulement justement de l'après-midi. Alors, on va rappeler un petit peu les règles à tout le monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc chaque candidate et chaque candidat aura précisément ni plus ni moins de
3 minutes, soit 180 secondes, pour exposer son parcours et son expérience professionnelle. Voilà, donc maintenant, les candidates et candidats vont passer devant vous. Je vous rappelle que c'est vous qui déterminez quand est-ce que vous commencez, c'est-à-dire que vous nous faites signe, on démarre et le chronomètre va se lancer avec 3 minutes qui seront votre temps à vous. Au bout de 2 minutes 30, lorsqu'il vous restera plus que 30 secondes, je serai à côté et je vous ferai ce petit signe. Il vous reste 30 secondes, juste pour que vous sachiez que la fin approche. Et puis, lorsque tout sera terminé, vous entendrez cette petite cloche qui marquera donc la fin et qui indiquera qu'il vous restera à peu près une seconde pour terminer le mot que vous étiez en train de prononcer. On est comme ça, tac. Voilà, donc du coup, chacun va passer. Nous allons passer, il y a 10 candidats, nous allons passer en 3 groupes. Un premier groupe de 3 candidats qui va commencer. Ensuite, on fera une petite pause et nous regarderons en vidéo, justement, leur expérience, leur travail, ce qu'ils ont fait. Ensuite, un deuxième groupe de 3 candidats qui passera. Et ensuite, un dernier groupe de 4 candidats, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Lorsque tous les groupes seront passés, il sera le temps de la délibération. Et cher public qui est avec nous justement en salle aujourd'hui, mais aussi vous les internautes qui nous suivez à distance, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, vous aurez votre mot à dire ce soir. C'est-à-dire qu'il y aura un QR code qui s'affichera. Donc surtout, vous qui êtes en salle aussi, préparez votre téléphone portable et vérifiez d'ores et déjà si vous avez une application pour lire les QR codes. Si ça n'est pas le cas, vous avez encore le temps d'en télécharger et d'en installer une sur votre appareil pour tout à l'heure. Il vous reste à peu près une demi-heure pour vérifier que tout ça est possible, puisque lorsque vous scannerez ce QR code, il vous emmènera dans la salle de vote et chacun pourra justement voter pour son ou sa candidate favori. Voilà. Et en plus du prix du public auquel justement vous allez travailler, il y aura aussi les prix du jury. Les prix du jury qui aura la lourde tâche donc de décerner le troisième, le second et le premier prix du jury. Alors justement, ce jury, il est temps de le présenter. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir ce soir, et je vais vous demander de les applaudir bien fort, Isabelle Demachy, que nous venons d'entendre. Vice-présidente formation, innovation pédagogique, vie étudiante de l'université Paris-Saclay, qui est aussi la présidente du jury. Nous aurons aussi Yann Cochetier, VP aménagement, grand projet urbain et vie de campus à la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Catherine Mindubels, déléguée emploi à la direction action régionale Île-de-France d'EDF. Gabriel Lemuller, moniteur de département chez Banque Populaire Val-de-France. Et enfin, Anaïs Ozen, qui est la gagnante de l'édition précédente et qui, aujourd'hui, est technicienne de laboratoire. Et qui, aujourd'hui, est technicienne de laboratoire chez LPS Biosens. C'est ça ? OK. L'école universitaire du premier cycle Paris-Saclay souhaite également remercier évidemment les sponsors de cet événement, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, le groupe EDF, la CASDEN, Banque Populaire. Et juste avant que vous n'assistiez à toutes ces présentations, il ne me reste plus qu'à vous présenter tous les candidates et candidats de ce soir. J'appelle donc près de moi et dans l'ordre Clément Iglesias, on peut les applaudir, Katia Beja, Gianni André, Benjamin Weisbrois, Eve Kaila, Caroline Guizou, Sarah Lagie-Lopez, Saturnie Louis-Jacques, Miali Rarivo-Harisson et Lison Bougon. On remarquera donc que certains ou certaines sont arrivés avec leur fan club au complet. Maintenant que vous les avez tous vus une première fois, je vais vous laisser
retournez à vos places, sauf évidemment Lison qui va rester avec moi. Merci à vous, on vous retrouve tout à l'heure. Lison, c'est toi qui va lancer. Ça va, pas trop le trac ? Ça va. Ça va. Ok. Donc, je te rappelle les choses. Je suis sur le côté, tu nous fais un signe, et ensuite, tu as 3 minutes pour toi. Ok. Avant, j'étais passive. Les cours au collège et au lycée n'ont jamais été pour moi une vraie partie de plaisir. J'aspirais à beaucoup d'autres choses que mes études. Et oui, mes rêves d'enfance sont passés de l'organisation de mariage à la police scientifique, danseuse, kiné. J'ai même voulu devenir éleveuse de jeunes chevaux. En bref, chaque jour naissait une nouvelle passion. Et puis, est venu le jour de Parcoursup, le jour où il faut arrêter de rêver et décider dans quelle voie s'orienter. Et vous l'imaginez, après des années de cours qui ne me passionnaient pas, je ne savais pas vraiment dans quoi m'orienter. Mais ce que j'avais compris, c'est que je ne pouvais pas me contenter d'être une simple étudiante qui écoute et apprend ses cours toute la journée. J'avais besoin d'action. Je crois que vous l'avez deviné, l'alternance. C'est exactement ça qu'il me fallait pour devenir active dans mes études. Je me souviens, un dimanche en plein montage de cuisine, dire à mon père « Mais qui a eu l'idée de mettre l'espace cuisson ici ? Le client va être gêné pour cuisiner. » Ouais. C'est le vendeur qui m'a mal conseillé. De toute façon, ils sont de moins en moins compétents. Ah bon ? De moins en moins compétents ? C'est pourtant pas compliqué, il suffit simplement de s'imaginer dans la cuisine. J'avais le culot de reprendre le travail de certains professionnels et de m'amuser à changer la conception qu'ils avaient imaginée. Et c'est prise à mon propre jeu qu'un beau jour, je me suis retrouvée avec mes CV sous le bras, partie prospecter tous les cuisinistes du coin. Et oui, après avoir monté des cuisines avec mon père, me voilà alternante au sein du groupe La Paire en tant que vendeuse de projets de cuisine. Alors, depuis le 31 août, tous les matins, j'enfile ma veste, je vends et je conseille. Et pour ça, je crée et recrée des plans 3D. Pourquoi pas un frigo américain pour les week-ends en famille ? Et un grand plan de travail pour cuisiner vos meilleurs plats ? Et puis un îlot central, avec une belle hotte qui tombe du plafond. Ça deviendra la pièce phare de votre maison. Ouais. C'est ça qui me plaît le plus, modéliser l'envie de mes clients. Et pour tout vous dire, mon père est aujourd'hui l'un d'eux. Alors c'est plutôt une fierté de faire partie aujourd'hui des peu de vendeurs compétents. Et pour ça, je remercie mes 2 responsables. Alors merci Isabelle et merci Kader de m'avoir tout appris. Alors oui, cette nouvelle expérience n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, je peux dire que mes missions me plaisent et que j'ai des responsabilités qui font de moi une personne de plus en plus indépendante, comme j'ai toujours voulu l'être. Alors je peux le dire. Aujourd'hui, je suis passive. Je suis active. Merci beaucoup, Lison. C'est pas facile de passer en premier. C'est pas facile du tout. Merci à toi. Eh bien, on va appeler maintenant notre deuxième candidate. Il s'agit de Miali Rarivoarisson. Tu as ton micro, tu as la scène pour toi. 3 minutes, tu nous dis quand tu commences. Sentez-vous cette vague d'odeur aux notes d'iris et de fumée d'encens ? Non ? Pourtant, je m'en suis vaporisé une bonne quantité sur moi afin de capter vos neurones récepteurs et votre attention. Si vous ne le sentez pas, c'est peut-être parce que vos neurones captent ces odeurs de manière différente. Ça arrive. Ou bien c'est peut-être parce que vous avez le Covid-19. En tout cas, je n'espère pas pour votre voisin. Cette capacité à sentir tout ce qui nous entoure éveille l'un de nos 5 sens. C'est le sens olfactif. À l'origine, c'est un sens chimique. Une modalité sensorielle qui permet de déterminer toutes les molécules volatiles dans notre environnement. C'est à l'ISIPCA, école de référence dans le parfum, que j'ai pu apprendre à distinguer un alcool d'un acétate, aux odeurs très fruitées ou rappelons les bonbons harlequins. J'ai la chance cette année de découvrir ce monde-là. Tout ça grâce à l'école, mais aussi grâce au travail. C'est pour ça que j'ai choisi la voie de l'apprentissage. Désirant beaucoup plus de pratiques,
c'était le cadre de formation le plus approprié pour moi, tout en faisant un petit pas de plus dans le monde du travail. Au sein de mon laboratoire de contrôle qualité, mille et une matières sont senties. Des odeurs faisant voyager, comme la douce vanille ou encore la belle rose de grâce, mais aussi des odeurs peu ragoûtantes, comme le scatol, qui fait un peu penser aux toilettes publiques en plein été. Et oui, il n'y a pas que des matières qui sentent bon dans le parfum. Mélanger certaines de ces matières permettent de créer les parfums Dior, comme le J'adore Dior. Vous connaissez ? Parce que moi, au bout de 7 mois de panel, je peux vous dire que je le connais olfactivement bien. La personne là-bas, vous ne sentirez pas par hasard un J'adore eau de toilette ? C'est en partie grâce à ces panels que j'ai pu développer mon sens de l'olfaction. Tout ça grâce à ma curiosité pour les matières premières et aussi grâce à ma tutrice, sur lequel j'ai pu prendre exemple. Merci Corizante de m'avoir appris à être très 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 carré dans mes actions. Outre cette mission, la chimie analytique joue un rôle très important dans la détermination de la conformité d'une matière. Dosage de conservateurs, contrôle de la composition des matières ou encore mesure de la couleur, ce sont 1/10 des techniques que j'utilise quotidiennement. Cette année, j'ai pu découvrir un monde, un univers que je ne connaissais pas il y a un an de ça et qui me pousse aujourd'hui à m'y intéresser même en dehors de mon cadre de travail. Et même si à la fin de ce discours, vous ne sentez pas ces notes d'iris et de fumée d'encens, ce que vous pouvez sentir actuellement, c'est mon désir de continuer dans le monde du parfum si fascinant. Merci beaucoup. Encore une passionnante présentation. Allez, notre troisième candidate, il s'agit de Saturnie Louis-Jacques qui va venir. N'oublie pas le micro. Et qui va nous présenter donc son travail d'alternance. C'est à toi. En 2018, 90% des élèves ont obtenu leur baccalauréat. Mais malheureusement, enfin, heureusement pour moi, je faisais partie des 10% l'ayant raté. À l'époque, je me sentais profondément troublée, désemparée, mise de côté, presque déshumanisée. Car avec un frère masterisé en CDI tout juste à sa 23e bougie soufflée, le véritable échec aurait été de rester planté là où je suis tombée. Mais ce redoublement a su révéler une nouvelle version de moi-même, jusque-là insoupçonnée ou peut-être simplement occultée. Cette version, elle voulait se développer, s'améliorer, se surpasser pour accomplir ses rêves, s'accomplir, et cela par le seul fruit de sa volonté. C'est pourquoi, lors de ma terminale, ou plutôt lors de ma seconde terminale, j'ai tenté ma chance, je me suis dirigée vers l'alternance. Une semaine étudiante à l'IUT de Paris, une autre professionnelle à Sanofi, je menais, disons-le clairement, une double vie. Ainsi, à mes 18 ans révolus, j'ai su trouver ma place au sein d'une équipe de 5 personnes, 5 personnalités, finalement, 5 moyens de me développer. Recrutement, contractualisation, accompagnement. Me voilà devenue presque petite maman de toute une portée des alternants. Guider chaque collaborateur pour qu'il devienne la meilleure version de lui-même, c'est ça qui me plaît dans les ressources humaines. En soi, mon alternance m'a permis de transformer ce qui semblait être un échec en providence. Car c'est grâce à cela que j'ai trouvé ma branche. Mais pour être franche, aller au bout de mes objectifs, aussi bien professionnels que scolaires, a été ma véritable revanche. Et puisque j'attache une grande importance aux paroles de femmes et d'hommes, de connaissances, je conclurai sur celle de Nietzsche que mon frère m'a tant répétée. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ou plutôt, ce qui ne te tue pas te rendra plus forte, petite sœur. Donc voilà, moi c'est Saturnie, jeune femme forte et autonome,
qui, tout comme son prénom, espère que le récit de son parcours aura su vous faire forte impression. Merci beaucoup. Parfaite illustration. C'était parfait. Merci. Allez, on va faire une petite pause. Parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont passées. Merci donc à tous les trois. Et justement, avant d'écouter les prochaines présentations, eh bien, nous allons rapidement récapituler vos travaux en vidéo cette fois-ci. On va les regarder et puis ensuite, on pourra passer au deuxième groupe. Bonjour à tous, je m'appelle Lison Bougon, j'ai 18 ans et je suis en BUT technique de commercialisation en alternance à Rambouillet. Je travaille donc à la paire en tant que vendeuse. J'ai décidé de faire le choix de l'alternance pour devenir active dans mes études, ne plus faire que de la théorie et avoir un pied dans le monde du travail. Dans mon speech, je vous découvrirai donc comment je suis arrivée à faire ce choix. Donc je vous donne rendez-vous le 24 mai à 16h pour la grande finale du CMA 180 secondes. Salut, moi c'est Miali Rarivorusson, j'ai 22 ans et j'effectue une licence professionnelle application analyse naturalité en parfumerie et arômes alimentaires à l'ISIPCA et l'UVSQ. Je fais cette alternance chez Parfums Christian Dior en tant qu'alternante technicienne qualité olfactive. Pourquoi réaliser cette alternance ? Pour se familiariser avec le monde professionnel, en acquérir de l'expérience et aussi continuer dans un cadre de formation qui me convient totalement. Si vous souhaitez découvrir un monde où la chimie et le sens olfactif se lient, je vous invite donc à découvrir mon pitch le 24 mai à 16h pour la grande finale du CAMA 180. Hello, moi c'est Saturnie, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis à l'IUT de Mantes en troisième année de licence de gestion, parcours organisation et développement. En parallèle, j'effectue mon alternance au sein du groupe Thales en tant que gestionnaire campus management. J'ai commencé l'apprentissage pour plusieurs raisons, mais essentiellement pour découvrir les métiers de l'entreprise, affiner mes choix d'orientation, mais également me surpasser. Alors dans mon pitch, je vais prouver à tout le monde que la persévérance, c'est la clé de la réussite. Donc je vous donne rendez-vous le 24 mai à 16h pour la grande finale. Voilà, vous connaissez parfaitement nos trois premières candidates. Surtout, évidemment, gardez-les en tête. N'hésitez pas à prendre des notes. Je vois que certains ou certaines prennent des notes. C'est impressionnant. On va passer donc à notre deuxième groupe. Et pour ça, je vais appeler Sarah Lagier-Lopez. Ça va, Sarah ? Oui. Oui. Allez, tout le monde t'écoute. Tu nous dis quand tu commences. Bonjour à tous. Pour commencer, j'aurais besoin d'un volontaire. Oui, vous là-bas ? Parfait, j'ai besoin de votre cerveau. Non, non, je ne suis pas un apprenti zombie, rassurez-vous. J'en ai besoin pour répondre à des questions scientifiques. Oui, parce que voyez-vous, je suis du genre à me poser mille et une questions. Et ce, depuis petite. Enfin, à l'époque, je posais surtout les questions qu'il ne fallait pas poser. Une fois, j'ai demandé à ma maman. « Maman, maman, pourquoi grand-père y tremble ? Il a froid ? Mais pourtant, il fait super chaud !» Ce n'est pas forcément simple d'expliquer une maladie à des enfants. Pour enfin avoir des réponses à toutes mes questions, j'ai décidé de m'orienter vers un cursus professionnel, dans le but de pouvoir contribuer, aujourd'hui comme demain, au développement de la science via mon apprentissage. Mon laboratoire, CEA Subbiotech, me forme sur l'étude des maladies neurodégénératives. En France, le nombre de personnes atteintes de ces maladies pourrait remplir plus de 20 fois le Stade de France. Et pour la majorité, aucun traitement curatif n'existe. Mais pourquoi ? Que fait la science ? Alors nous y travaillons. Seulement, les premiers symptômes peuvent survenir bien longtemps après la disparition du premier neurone. Dans ces cas-là, il est déjà trop tard pour agir. C'est pourquoi il est essentiel de mettre au point un modèle nous permettant de mieux comprendre comment la maladie se déclare et ainsi cibler les phases précoces. Dans mon laboratoire, rassurez-vous, pour cela, je ne vais pas utiliser vos cerveaux, car grâce à vos cellules, nous pouvons créer des organoïdes cérébraux.
Mais qu'est-ce que c'est ? Un organoïde cérébral, c'est un amas cellulaire mimant certaines fonctions du cerveau. En bref, un mini-cerveau, quoi. Un cerveau, c'est quelque chose de très compliqué, un peu comme un avion. Il faut le construire et il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pourquoi nous utilisons l'organoïde. Comme pour une maquette d'avion, cela prend du temps d'assembler les différents composants et structures le plus fidèlement possible. Et une fois ce modèle mis au point, nous pourrons alors nous poser cette question. Est-ce que dans ces petites sphères de quelques millimètres seulement, il nous sera possible de modéliser ces maladies ? Je ne peux pas encore vous répondre pour le moment, mais c'est en travaillant avec mon équipe que j'espère pouvoir le faire. Cette aventure est pour moi l'occasion de me spécialiser dans un domaine qui me tient à cœur, de vérifier que la voie que j'ai choisie est bien adaptée et, évidemment, de trouver des réponses à mes questions. Car quoi de mieux qu'être avec un chercheur pour apprendre à chercher ? Merci beaucoup, Sarah. Contre vents et marées, même avec mes indications erronées, elle a été parfaite. Allez, Caroline maintenant, Caroline Guizou. C'est donc toi qui as amené le public. Très bien. Allez, c'est à toi. L'infiniment petit. Vous aurez beau plisser les yeux, vous ne verrez rien. Et c'est bien normal, car en dessous de l'épaisseur d'un cheveu de 100 micromètres, un objet nous paraît invisible. Figurez-vous que dans mon apprentissage, je suis plongée à des échelles 1000 fois plus petites. Et oui, je perçois l'imperceptible. Au laboratoire, je suis membre de l'équipe instrumentation et sources d'ions. Mais qu'est-ce qu'un ion ? Imaginez une boule de pétanque accélérée qui va percuter un mur. Impact ! Pulvérisation de la matière ! La surface du mur est alors gravée. La boule de pétanque, c'est l'ion. Et le mur représente la surface d'un matériau. J'ai pour mission de piloter la machine qui va émettre les ions. Alors, suivez-moi, je vais vous immerger dans mon monde. Au quotidien, j'évolue dans un environnement très spécial qu'on appelle la salle blanche. Lorsque je pénètre dans le sas, je m'équipe pour lutter contre l'ennemi, la poussière. J'enfile des gants, une combinaison qui me recouvre des pieds à la tête, masque chirurgical. Je peux vous dire que dans cette tenue, même ma mère ne me reconnaîtrait pas. Me voilà fin prête à rejoindre mon poste de commande. Avant de lancer l'opération, je saisis mon joystick et je parcours la surface du matériau. Je m'assure ainsi que la zone aggravée est dégagée. Le paramétrage de la machine peut ainsi commencer. Niveau de vide dans la chambre, check. Mise en route de la tension d'accélération de la source, check. Et activation des lentilles, le faisceau est bien focalisé. Cible en vue. Attention, ça va bombarder. D'après vous, dans quel domaine cela peut être utile de percer des petits trous ? Que dis-je ? Des micro-trous ? Que dis-je ? Des nanotrous ? En fait, c'est utile en électronique pour la fabrication de micro-composants. Par exemple, ce sont eux qui composent votre téléphone. Tous les jours, je suis accompagnée d'une équipe de choc. Ingénieurs, enseignants-chercheurs, techniciens, thésards et stagiaires. Nous échangeons des conseils, des expériences ou abordons le cas d'une machine un peu capricieuse. C'est aussi ça, les aléas de la recherche. Désormais, en plus d'être étudiante, je deviens employée de cette belle université. Je me forme directement au front. Et l'un des nombreux avantages qu'offre l'alternance et qui me tient particulièrement à cœur, c'est que je suis indépendante financièrement. Je paye mon loyer et mon permis de conduire. Ces réalisations me permettent de gagner en confiance et de m'épanouir dans mes relations humaines. Alors même si je côtoie des échelles très petites, les impacts sur ma vie sont, eux, très grands. Merci beaucoup à toi. Je te propose de donner le micro. Tu vas pouvoir donner le micro donc à Eve, Kayla, qui va venir nous voir.
Et Ève, tu vas être donc la dernière du deuxième groupe et tu vas nous parler justement de ta situation. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que je fais là, moi ? Bonjour. Pourquoi je me suis lancée dans ce concours déjà ? Comment commencer ? Bonjour à tous, je m'appelle Ève, j'ai 23 ans, je suis étudiante en licence professionnelle. Non, ça fait site de rencontre. Comment commencer ? Être alternante dans une start-up de recherche sur la thérapie génique ? Non, on dirait une pub et c'est un discours. Ah, je sais. Suivez-moi. Faites un saut dans l'espace et dans le temps. Figurez-vous dans la Grèce antique, à Troie, 1200 ans avant notre ère. Là-bas, la guerre fait rage. Les dieux ne savent pas départager les deux parties. Pourtant, de valeureux soldats combattent de chaque côté. On retrouve entre autres Ulysse qui, alors que la guerre semble perdue pour les Grecs, survient avec une autre de ses idées géniales. Une idée qui allait changer complètement le cours de l'histoire. Une idée presque divine. Mais quelle est cette idée ? Je vous parle du cheval de Troie. Ce cheval en bois, que les Troyens prenaient pour un cadeau de la part des dieux, parvint à pénétrer l'impassible muraille de la ville. Une fois dans l'enceinte, les soldats, glissés dans les entrailles en bois du cheval, surgirent sur les Troyens et les éliminèrent tous. Eh bien moi, je fais la même chose. Sauf que mon cheval de Troie s'appelle vecteur viral et que mes soldats sont des gènes. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Mais contre qui ? Contre les cellules, plus spécifiquement les cellules cancéreuses. En gros, j'utilise de l'ADN pour tuer des cancers. Et comment je fais ça ? Eh bien, avec ma blouse blanche et mes gants verts, je manipule de l'ADN de l'ordre du microlitre. Et Ulysse, dans tout ça, l'histoire est finie ? Oula, non, loin de là. Ulysse a fait un long périple pour rejoindre sa bien-aimée Pénélope. Et moi aussi, pour mon parcours universitaire. Et non, je ne cherche pas l'amour, mais plutôt ma voix. En tout cas, je l'ai cherchée pendant longtemps. Je l'ai cherchée à la fac, je l'ai cherchée en prépa, je l'ai cherchée en école d'ingé, et j'ai fini par la trouver à l'IUT. Et si de ce discours, vous ne deviez retenir qu'un mot, c'est foncez, ralentissez, faites des détours, mais allez-y, et n'ayez jamais de regret d'y être allé. Parce que l'important, ce n'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. Enfin, je terminerai par ce bel adage. Je terminerai par ce bel adage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait de longs voyages. Heureux qui, comme moi-même, a fini par trouver les mots pour livrer mon message. Heureux qui, comme moi-même, a trouvé sa voie par l'apprentissage. C'est du très très haut niveau cette année. Je ne sais pas comment vous allez faire l'année prochaine, parce que là on est déjà très très bon. Du coup, une nouvelle petite pause, et cette fois-ci, eh bien, nous allons regarder en résumé les vidéos de nos trois derniers candidats. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Lager-Lopez, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante à la licence professionnelle bio-industrie biotechnologie de la faculté des sciences d'Orsay. Mais je suis également alternante chez Celtex en tant que technicienne de laboratoire. J'ai choisi l'alternance puisque cela me permet de participer de manière active à la recherche en santé. De même, cela me permet d'allier la théorie que je vois en cours directement sur place, mais aussi parce que l'alternance me permet d'acquérir une certaine indépendance financière et donc de poursuivre mes études. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les maladies neurodégénératives, je vous donne rendez-vous le 24 mai à 16h pour la finale. Bonjour, je m'appelle Caroline Guizou et j'ai 21 ans. Je suis une licence professionnelle matériaux, métrologie et instrumentation à l'IUT d'Orsay et j'effectue mon apprentissage au Centre de nanosciences et de nanotechnologie en tant que technicienne et opératrice machine FIB. J'ai choisi de faire de l'alternance pour gagner en technicité, apprendre autrement et sortir de ma zone de confort.
Préparez-vous à voir le monde dans une autre dimension, car vous serez plongé à l'échelle atomique. Alors on se retrouve pour la grande finale du concours Mon apprentissage en 180 secondes, le 24 mai à 16h. Je m'appelle Eve Kaila, j'ai 23 ans, et je vais vous raconter comment je vais participer au concours Mon apprentissage en 180 secondes. Je suis étudiante à l'UT d'Orsay, en licence professionnelle génie des procédés et bioprocédés industriels. Et en même temps, je suis alternante en tant que technicienne de recherche chez Asphalia Biologics à l'Institut du Cerveau. J'ai découvert l'alternance un peu par hasard, mais j'ai compris que j'avais l'opportunité d'être responsabilisée, l'opportunité d'être encadrée par des professeurs et l'opportunité de gérer des projets. J'ai choisi dans mon pitch de vous parler de choses qui sont pour l'instant confidentielles, mais dont je vais vous parler très bientôt, et je vais vous raconter également comment l'apprentissage est la manière la plus adaptée pour moi. Rendez-vous le 24 mai à 16h. Allez, on termine avec ce dernier groupe, pas le moindre, vous allez voir. Et pour commencer, eh bien, j'accueille ici Benjamin Vesbrois. Benjamin, la place est à toi. Tu nous dis quand tu commences. Travailler ou étudier. Deux verbes que j'ai souvent mis en confrontation. Et l'apprentissage vint résoudre mon hésitation. Depuis 24 mois, je suis étudiant. Je suis étudiant. Que nenni, vous l'aurez bien compris, je suis un apprenti. Et oui, depuis septembre 2020, me voilà apprenti vendeur de matériaux de construction au sein du négoce La Rivière. En parallèle, je suis étudiant à l'IUT de Sceaux. Cumuler ces deux statuts ne me rend pas schizophrène. Bien au contraire, cela me sort de ma zone de confort. À l'université, il faut faire preuve de concentration, de patience. Il faut savoir écouter. Écouter parfois plusieurs heures d'une même matière. Négociation et logistique, les différentes notions abordées construisent une polyvalence à rude épreuve. En entreprise, dès 7h30, le téléphone sonne. La machine à café tourne à plein régime. L'agence La Rivière Champlan se réveille. Les clients vont et viennent. Français, portugais, moldaves. Nombreuses sont les nationalités tant ce secteur est cosmopolite. Du calcul d'un coefficient d'isolation, ou bien à la recherche d'une référence de tuile qui a 30 ans passé, les réponses techniques fusent. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est compliqué par moment. Au cours de ces différents mois, on acquiert une maturité à grande vitesse. Et ce rythme n'invite pas à la paresse. Certes, il peut nous être confié, pour nos débuts, des tâches que personne ne souhaite faire, comme contrôler les commandes fournisseurs, ou bien réorganiser l'espace de vente. Mais les réaliser, parfois en râlant intérieurement, nous forge un tempérament de fer. Et comme certains secteurs souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, cela vaut encore plus le coup, car de réels parcours d'accompagnement et d'évolution s'offrent à nous. Et à l'issue, lorsque nous aurons obtenu notre diplôme, personne ne pourra nous dire « Vous n'avez pas d'expérience ». Et nous pourrons être alors fiers de notre efficience. Vous l'aurez donc compris, évoluer dans deux environnements, loin d'être parallèles, nous permet de faire des rencontres tant professionnelles que personnelles. Henri Bambel. Enfin, libéré de mes frais de scolarité, être étudiant me permet également de gagner en autonomie financière. Oui, avec mon salaire, adapté à mon âge, je profite des avantages de l'entreprise et je suis redevenu ami avec ma banquière. Vous l'aurez donc compris, l'apprentissage mène loin, très haut dans les cimes. Et vous l'entendez, l'apprentissage mène à tout, car depuis 180 secondes, je me suis même mis à la rime. Merci beaucoup Benjamin. Et c'est maintenant Gianni André que nous recevons. Allez, c'est à toi pour 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 2 ans de cela,
une jeune femme pleine de convictions a décidé de reprendre ses études. En parallèle, elle exerçait un job étudiant lui permettant de répondre à ses besoins financiers. C'était un rythme soutenu. À cause de cela, elle ne pouvait pas réaliser tout ce qui lui tenait à cœur. Puis un jour, elle a reçu un appel qui allait lui changer sa vie. Elle était admise en licence professionnelle chimie analytique. Une discipline qui permet de répondre à de nombreux besoins industriels et sociétaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais la chimie analytique intervient pour améliorer des produits que vous utilisez tous les jours et de diminuer leur impact dans l'environnement. Mais comment ? En déterminant leur composition et en vérifiant que cette composition soit conforme à des normes. Cela peut être l'eau que vous buvez ou celle des fibres textiles de vos vêtements que vous portez en ce moment. Dans le cas de la jeune femme dont je vous ai parlé, apprentie chez FU, elle assure le contrôle qualité des e-liquides pour cigarettes électroniques afin de permettre une utilisation sans risque par les vapoteurs. Ainsi, elle contribue au développement de cette technologie moins néfaste que la cigarette traditionnelle. Vous vous en doutez certainement, cette femme, c'est moi, Gianni André. J'étais partie chercher une autonomie financière, mais j'ai gagné bien au-delà de cela. Encadrée par ma tutrice et mon maître d'apprentissage, j'ai pu travailler sur des projets qui ont pu renforcer mon engagement académique et aussi mon implication à des pratiques éco-responsables répondant à une forte demande sociétale. Mais pas que. Cette implication professionnelle m'a dotée d'un désir de m'ouvrir davantage au monde. Maintenant, je me lance des défis, j'affronte mes peurs, je prends des initiatives. Qui l'aurait cru, moi, réservée, participant à un concours d'éloquence? Pour moi, l'apprentissage est l'essence d'une voie de réussite incontestable, un tremplin pour construire son avenir de manière active et engagée. Merci à l'apprentissage. Merci beaucoup, Gianni. Et bien, c'est Katia Bedia que nous allons maintenant recevoir. Sache-le, tu n'as pas la pression du tout. Pas du tout, quoi. Allez, c'est à toi. Septembre 2015, rentrée en seconde, première question. Tu veux faire quoi plus tard ? Oh là là, hey, minute papillon ! J'ai que 15 ans et on me demande d'avoir un projet clair et concis, alors que de vous à moi, j'avais déjà du mal à choisir un dessert à la cantine, donc un projet pro, impossible. Une chose est sûre, je voulais absolument travailler dans le domaine de la cosmétique. En effet, le monde de la beauté et du soin m'attirait irrémédiablement. Pourquoi ? À cause d'une pub L'Oréal où j'ai découvert l'une des plus belles femmes du monde, Penélope Cruz. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Non pas ressembler à Penélope Cruz, hein, je vous rassure, mais participer à rendre toutes les femmes aussi belles qu'elles. Pour ce faire, j'ai intégré une licence professionnelle en cosmétique que j'effectue en apprentissage au sein du laboratoire Lancôme. Lors de mon apprentissage, je participe à améliorer des produits lambda tels que nos crèmes et sérums afin de les rendre plus verts et responsables. En effet, à l'heure où participer à l'écologie est notre objectif numéro 1, je substitue toutes les matières premières néfastes pour l'environnement et notre santé. Lorsque je suis au laboratoire, vous pouvez me voir comme Cyril Lignac, sauf que je ne porte pas un tablier, mais une blouse, des gants et des lunettes. Tout comme lui, je prépare mes ingrédients, mes petits ustensiles, et c'est parti pour une formulation fondante et croquante. Je vous vois me regarder et vous devez vous dire, mais c'est quoi la formulation en fait ? Eh bien, c'est pas compliqué. La formulation, c'est le mélange de matières premières qui résulte sur un produit homogène et stable. Pour faire simple, je fabrique les crèmes de demain.
Et oui, mes petites mains, là, elles participent à ces projets. Donc la prochaine fois que vous mettrez de la crème, pensez à moi. Mais ne vous méprenez pas, pardon. La formulation, c'est un domaine où il faut constamment être à l'affût. Et comme le dit un philosophe, la formulation, c'est comme la conduite. Il ne faut jamais aller trop vite, sinon, accident assuré. Enfin, j'aimerais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire de l'apprentissage. C'est parce qu'après des années de théorie, je me suis dit qu'il fallait que je mette en pratique toutes ces notions acquises. Donc un pied à l'école, un pied à l'entreprise. Et le plus de tout ça, un salaire. Et être indépendante financièrement à 22 ans, ça fait mon bonheur et accessoirement celui de mon dressing qui est en constant renouvellement. Tout ce que je vous ai raconté là n'aurait jamais été possible sans deux superbes femmes qui ont su m'ouvrir les portes de mon environnement de travail et me faire confiance. En effet, on pourrait croire que trouver un apprentissage, c'est vraiment très simple. Mais quand on démarre de rien et qu'on n'a absolument pas d'expérience, on essuie beaucoup de refus, on tombe, mais on se relève. On ne lâche rien et un jour, ça finit par payer. Et comme Jean-Claude Duss et moi-même, nous plaisons à le dire, sans un malentendu, ça peut marcher. J'ai pas fini. Désolée. Je sais que 3 minutes, c'est vraiment pas assez pour vous expliquer tout ce que l'apprentissage, ça a pu m'apporter. Mais si vous avez besoin d'aide pour un dessert ou une crème, on peut se retrouver juste après au cocktail et continuer cette discussion. Merci. Merci beaucoup, Katia. Et enfin, notre dernier candidat, Clément Iglesias. La scène est à toi. Juste avant de commencer, je voudrais quand même remercier une dernière fois toute l'université et le groupe Paris-Saclay qui nous permet de faire ce concours. Et je veux aussi remercier notre professeur Robin qui a pris le temps de faire 4 séances de coaching. Vous pouvez l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et donc, c'est parti pour le dernier candidat. J'habite 1 mois dans le nord, 1 mois dans le sud. 1 mois au nord, 1 mois au sud de Paris, hein. C'est-à-dire 1 mois à Carrère-Poissy pour le boulot et 1 mois à Évry pour mes études. Je suis actuellement en licence professionnelle contrôle industriel mesure tridimensionnelle à l'UFRST de Évry, en apprentissage. Alors oui, le nom de la licence est long, mais il est aussi long et palpitant que son programme. Dans cette licence, on nous apprend à devenir un technicien métrologue qui doit connaître les différents moyens de mesure, la méthodologie à appliquer et enfin les paramètres à prendre en compte. Quels paramètres ? Par exemple, se ventiler un max dans un local climatisé à 20 degrés pendant un jour d'été en pleine canicule, ça peut l'être. D'ailleurs, maintenant mes collègues font la queue devant la salle climatisée exprès durant cette période. En hiver, on est sûr de ne pas les voir, mais là, cette fois-ci, on les voit très très bien. Je travaille chez SEH, une filiale de FH Energy System, qui conçoit, réalise, contrôle et règle des outillages pour l'aéronautique et l'automobile. Ces outillages servent à mettre en place avec précision des cockpits et des portières. C'est de l'extrême à l'autre. D'ailleurs, récemment, ils ont fait l'acquisition d'une nouvelle machine. Et cette machine, quand ils m'ont annoncé le prix, très clairement, j'ai voulu laisser mon appartement et aller habiter sur cette machine parce que, oui, la machine a clairement le prix d'un 24 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. Et du coup, pour en revenir sur ça et pour rebondir sur ça, à l'université, nous, on nous apprend à contrôler des pièces sur marbre. Donc, on pose la pièce sur le marbre, on crée des programmes pour contrôler ses cotes, et enfin, on analyse les résultats pour voir si la pièce est conforme ou non. Si elle n'est pas conforme, nous, les contrôleurs, on est souvent considérés comme des rabat-joie, car on renvoie la non-conformité à l'usinage. Et il faut savoir qu'une pièce non conforme a d'énormes conséquences sur la vie d'autrui si elle est laissée sur un avion ou sur une voiture. Alors oui, je suis rabat-joie, mais être rabat-joie m'a permis de m'auto-contrôler
de prendre des décisions lourdes de responsabilité, de prendre mon envol et avoir mon indépendance financière et personnelle. Et cette voie-là, c'est la voie de l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous tous les candidats. Jamais une seule fois la clochette n'a sonné. Vous avez parfaitement respecté les règles du jeu, donc merci à vous. Évidemment, chacun va avoir droit aussi à sa petite séquence vidéo. Donc la partie séquence vidéo et ensuite on se retrouve pour les votes. Bonjour, je m'appelle Benjamin Vesbrois, j'ai 20 ans et je suis étudiant à l'UIT de Sceaux en technique de commercialisation. J'effectue mon alternance chez La Rivière, un négoce de matériaux de construction en tant que vendeur interne. J'ai choisi l'alternance tout simplement car cela me permettait de développer mes compétences professionnelles en parallèle de mes compétences académiques. J'ai donc pu créer un réseau professionnel tout en continuant à emmagasiner des connaissances. Je vous donne donc rendez-vous le 24 mai 2022 pour écouter mon pitch en 180 secondes sur mon entreprise La Rivière et mes études à l'UIT de Sceaux. Bonjour, je suis Gianni André, j'ai 26 ans. Je suis étudiante à l'UIT d'Arcy en licence professionnelle chimie analytique. J'effectue mon apprentissage chez FU en tant que technicienne apprentie chimiste. J'ai choisi de faire mes études en alternance afin de développer des compétences par des missions valorisantes afin d'être rapidement opérationnelle, ce qui facilitera une insertion professionnelle et aussi afin d'être rémunérée pendant toute la durée de la formation. Dans mon pitch, vous découvrirez l'importance considérable de la chimie analytique ainsi que mes différentes missions en entreprise. Je vous donne rendez-vous le 24 mai à 16h. Action. Bonjour à tous, je suis Katia Bedja, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en licence professionnelle analyse, application et naturalité en cosmétique à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc je fais mon apprentissage au sein du laboratoire Lancôme en tant que technicienne de formulation. Pourquoi j'ai choisi l'apprentissage ? En 1, pour mon indépendance financière. En 2, pour mettre en pratique toute la théorie que j'ai acquis pendant mes années d'études. Et en 3, pour mon insertion professionnelle qui sera facilitée. Si vous voulez en apprendre plus sur mon apprentissage, je vous donne rendez-vous le 24 mai à 16h pour découvrir mon speech. Bonjour, je m'appelle Clément Iglesias, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en licence professionnelle maintenance et technologie contrôle industriel à l'Université d'Évry-Paris-Saclay. Je suis également alternant contrôleur tridimensionnel chez FH Energy Systems SEH. J'ai choisi de faire de l'apprentissage pour trois raisons. L'indépendance financière et personnelle, la découverte du monde professionnel et enfin le savoir que peut nous apporter la licence professionnelle sur le plan théorique. Dans mon speech, je vais vous présenter mes missions de manière comique à la manière d'un one-man show. Rendez-vous le 24 mai à 16h pour la finale de mon apprentissage en 180 secondes. Et ces applaudissements vont bien évidemment à tous nos candidats qui étaient là et qui ont donné tout leur cœur, tout ce qu'ils pouvaient. Merci à vous. Et bien maintenant arrive la phase du vote du public, du vote du jury. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. On va faire ça séquentiellement. La première chose qu'on va faire, c'est que notre jury va maintenant pouvoir se lever et suivre Pascal Aubert dans une pièce tranquille qui a été réservée pour sa délibération. Vous avez un peu moins de 20 minutes pour délibérer et revenir, marquer les petits résultats dans des enveloppes et revenir nous les donner. Vous aurez donc à désigner le troisième, deuxième et premier prix du jury. Merci à vous. Et donc, pendant que le jury délibère, eh bien nous allons avoir deux choses à faire. La première, c'est bien sûr de désigner le lauréat ou la lauréate du prix du public. Prix du public présent dans cette salle, mais prix du public aussi sur Internet. Alors vous allez voir apparaître ici dans cette salle, mais aussi sur
la vidéo YouTube que vous êtes peut-être en train de regarder, un QR code qui vous permettra, lorsque vous le scannerez, d'accéder à la salle de vote numérique où vous allez pouvoir désigner votre candidat ou votre candidate préférée. Je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Et puis ensuite, je vous réserve une petite surprise pour les 10 minutes qui restent. Alors pour celles et ceux qui auraient éventuellement un problème, je vous rappelle que vous avez aussi l'adresse, donc l'URL qui est indiquée en haut à droite, sur laquelle vous pouvez aussi essayer d'aller en tapant directement l'adresse de la salle de vote. Évidemment, les candidats sont autorisés à voter, bien sûr. Ah ouais, j'aurais pas voté pour cette personne, moi. Est-ce que les votes sont faits ? Non, il y a encore des débats, on réfléchit. D'accord. On a encore un petit peu de temps. Une fois que tout le monde aura voté, il nous restera un bon quart d'heure. Et ce quart d'heure, on va le passer ensemble avec un petit jeu qui est lié justement avec les candidats. J'espère que vous vous rappelez bien ce qu'ils ont fait, parce qu'on va jouer avec eux ensuite.
On vient de me dire que l'université vous accorde encore gracieusement 6 minutes. Puisqu'apparemment, il y a certains choix qui sont difficiles. Alors, pendant que vous êtes en train de voter ou de réfléchir, je voudrais en profiter pour vous rappeler que se tient encore maintenant le forum de l'apprentissage de l'Université Paris-Saclay. Ce forum se tient encore jusqu'au 25 mai en ligne. Donc, c'est un événement qui met en relation des entreprises, justement, et des apprentis de l'université, des formations depuis Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5 en ligne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au forum de l'apprentissage de l'Université Paris-Saclay. Allez jeter un petit coup d'œil, ça pourrait peut-être effectivement vous intéresser, vous, votre famille ou d'autres jeunes qui pourraient être intéressés par ces formations. Allez, normalement, tout le monde a eu le temps de d'élire son ou sa favorite. Alors évidemment, pour le jury, c'est un peu plus compliqué, c'est plus long, il faut discuter. Il ne peut en rester qu'un, comme disait le célèbre philosophe. Alors du coup, pendant le temps qui nous reste, eh bien, je vais vous proposer un petit jeu pour nous occuper le temps que le jury termine son travail. Alors ce petit jeu... On l'a préparé pour vous. Évidemment, il n'était pas question de jouer sans nos candidats. Donc, il va s'agir d'un... Je répète, il va s'agir d'un quiz. Un quiz qui a été préparé. Donc, dans ce quiz, vous allez voir des images mystères.
Et en fait, ces images, eh bien, vous allez devoir deviner auquel ou à laquelle de nos candidats ces images sont associées. Vous aurez plusieurs choix. Alors, pour les personnes qui sont dans la salle, vous avez normalement sur la table devant vous des petits cartons colorés. Voilà, il y en a un orange, un rose, un rouge et un bleu mauve. Voilà. Ça, c'est la couleur des questions, en fait. Et évidemment, l'objectif, ça va être de savoir ce que vous pensez. Alors vous, chez vous, sur Internet, si vous êtes plusieurs devant l'ordinateur, n'hésitez pas non plus à jouer, à discuter entre vous. Et puis, on va voir ensemble les réponses. Donc, notre jeu va pouvoir commencer. On va lancer ce fameux quiz. Alors, je vous propose, je vous montre une image. Et puis ensuite, je vous donne plusieurs choix. Et ce sera à vous de les déterminer. Allons-y. Alors, on commence. Alors, est-ce qu'on peut peut-être éteindre un tout petit peu les lumières ? Non, peut-être pas. Est-ce que vous arrivez à bien voir l'image ? C'est bon ? Ouais. OK. Donc, on a cette jolie image avec quatre petits trucs dans un pot de machin. Maintenant, eh bien, je vous propose plusieurs choix. À votre avis, ça, c'est relié à auquel ou à laquelle de nos candidats ou de nos candidates ? Premier choix. Est-ce que ce qu'on voit ici, ça nous parle de la croissance de mini-cerveaux ? Et dans ce cas, c'est Sarah, chez Celtec, qui pourrait avoir joué avec ça. Bah, attendez deux secondes. Alors, deuxième proposition. Deuxième proposition, est-ce qu'il s'agit d'une extraction de parfum de boutons de rose ? Donc c'est plutôt Katia Bedja qui aurait fait cette image. En fait, ce n'est pas eux qui les ont fait, hein, c'est moi qui les ai trouvés. Mais... Le troisième, est-ce qu'il s'agit du résidu de rinçage d'une e-cigarette ? Donc c'est chez Gianni que ça se passerait. Ou dernière proposition, est-ce qu'il s'agit d'un cocktail litchi framboise que j'ai fait moi-même ce matin ? Donc nous avons du mauve, du rose pour les parfums de rose, évidemment, du rouge pour les cigarettes, ou du jaune pour le cocktail litchi framboise. Alors qu'est-ce qu'on a dans la salle ? On a une majorité de mauve, donc des gens qui aimeraient faire croître des cerveaux dans des liquides. C'est dingue. Quelques-uns qui vont essayer... Ah si, on a quand même un cocktail. On a quand même un cocktail litchi framboise. Ça, ce sera pour après le concours. On se retrouvera derrière pour boire ça. Très peu de rouge et quasiment pas de parfum de rose. Eh bien, on va regarder la solution. Et il s'agissait effectivement de mini-cerveaux. Des cerveaux miniatures, donc ce sont des agrégats de neurones qui sont utilisés effectivement pour tester différentes technologies, différents médicaments, sans avoir à les tester sur des véritables cerveaux. Ok, bah bravo à tous, vous avez gagné, en tout cas la majorité du public. On passe à cette jolie pièce que vous avez ici. À votre avis, qui aurait pu jouer avec ça ? Je vous la laisse regarder encore 10 secondes. Et puis... on va passer au choix. Première proposition. Est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme de pivot d'une fenêtre ? Donc c'est Lison chez la paire. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un élément de satellite imprimé en 3D chez Thalès ? Donc Saturnie aurait pu voir passer ça. Est-ce qu'il s'agirait par hasard d'une pièce de fixation de toiture métallique ? Et ça, ça se fait aussi chez La Rivière, donc c'est Benjamin qui pourrait avoir joué avec cette pièce. Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'un bout de dentier de Robocop ? Et dans ce cas, c'est Paul Verhoeven qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'excuse bien sûr, mais il essaiera d'être présent l'année prochaine. Oula, on a déjà des papiers qui se lèvent tout de suite. Vous avez l'air d'être très sûr de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme papier ? Ah, on a encore le rose, hein ? On a encore le rose, donc on a... les pivots de fenêtre de chez Lapierre. Et en deuxième position, on a effectivement les fenêtres de chez Lapierre, de chez La Rivière, pardon. Non, la toiture métallique, pardon. La toiture métallique de chez La Rivière. Et les éléments de satellite Thalès. Ah, si, mais c'est les éléments de satellite Thalès, en fait, qui sont la majorité ici. D'accord. Éléments de satellite Thalès.
Personne pour un pivot de fenêtre? Même pas un ou une? Rien? Ah la vache! Ok, donc pour vous, c'est un élément de satellite imprimé en 3D. Ben, regardons la réponse. Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes très fort. Alors, je tiens à signaler que... Non, mais si, les étudiants y jouent parce qu'ils ne sont pas au courant des images que j'ai mises. C'est moi qui les ai choisies tout seul dans mon coin. Donc en fait, eux peuvent jouer aussi parce qu'ils ne savent pas quelles images j'ai mises. Alors certains peuvent effectivement avoir vu un petit peu les réponses. Enfin, en tout cas, les connaître par leur expérience. Mais ils ne connaissent pas le quiz. Voilà. Bien joué. On passe à cette troisième image. Non, mais ne les regardez pas, c'est là-bas que ça se passe. Ils commencent à copier maintenant. Attendez, attendez deux secondes, laissez-les répondre avant de lever vos... Parce que ça commence à copier, là. Bon, tout le monde a vu un peu à quoi ça ressemble. Évidemment, c'est des choses un peu curieuses. Hein. L'objectif, c'est que ça ne soit pas très habituel. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous? Première proposition. Est-ce qu'il s'agit d'une brosse de mascara de Katia chez Lancôme? Est-ce qu'il s'agirait d'un implant neurologique qui sert pour mettre de l'électricité dans les crises d'épilepsie, donc c'est l'Institut du cerveau chez Eve, ou est-ce qu'il s'agirait d'une brosse de nettoyage d'e-cigarettes? On y revient. Donc Gianni pourrait peut-être avoir utilisé ça dans son travail. Et dernière proposition, la plus probable évidemment, est-ce qu'il s'agit d'une carotte génétiquement modifiée à l'Institut de la carotte? C'est aussi un choix que vous pouvez tout à fait choisir. Il y en a qui commencent à avoir faim là-bas derrière. Ok, donc on a un peu de carotte. Ah, on a, d'accord, pas mal de carottes. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Alors là, par contre, vous n'êtes pas d'accord. Hein. On a pas mal de rouge, donc une brosse de nettoyage des cigarettes. C'est elle qui a la majorité, d'accord. Les implants neuro, pas d'implant neural, un tout petit peu, pas trop. Et puis, brosse de mascara, on a de la brosse. Alors, en fait, nos étudiants sont plutôt sur la brosse de mascara et notre public est plutôt sur une brosse de nettoyage d'e-cigarettes. Le suspense est à son comble. Regardons la solution. Ils sont forts, ces étudiants. Il s'agissait en réalité d'une brosse de mascara observée au microscope électronique à balayage. Le microscope électronique étant un microscope qui n'utilise pas de la lumière, mais des petites particules, donc des électrons, qui permettent d'avoir des images encore beaucoup plus fines que ce qu'on peut avoir avec des microscopes classiques. Donc effectivement, une brosse de mascara, si vous faisiez quelques centaines de microns de haut, vous la verriez comme ça. Ok, parfait. Est-ce qu'il nous reste encore des images? Ah, voilà. Alors ça nous rappelle un certain nombre de choses qu'on a entendues hein, de ce côté-là. Pas forcément que d'un seul candidat ou d'une seule candidate. Vous avez donc bien observé cette image. On va pouvoir maintenant essayer de deviner ce que c'est et surtout qui aurait pu travailler avec ça. Première proposition. Est-ce qu'il s'agit d'une étude de petites nanoparticules par laser? Et ça, ça se passe chez Lumtech avec Grégoire. Grégoire, qui aurait dû être là et qui n'est pas là et qu'on n'a pas pu changer... Mais ça pourrait être lui quand même. Grégoire Mahon qui travaillait justement sur des techniques de microscopie. Est-ce que ça pourrait être aussi la création d'une cellule photovoltaïque? Et dans ce cas, ça se passerait chez Eiffage et c'est Clément qui aurait mis la combinaison pour faire ça. Ou alors l'analyse d'un semi-conducteur sous vide. Donc c'est chez C2N, Caroline Guizou. Ou est-ce qu'il s'agit d'un prototype de la PlayStation 6 qui n'est pas encore tout à fait finalisé? On a deux, trois geeks devant, évidemment, qui nous disent bonjour, bonjour à eux. Sinon, beaucoup de rouge parmi vous, donc un semi-conducteur sous vide.
Vous semblez à peu près tous convaincus de la réponse. On a aussi quelques nanoparticules laser. Ouais, quelques nanoparticules laser. OK. Plus de nanoparticules chez les étudiants et plus de semi-conducteurs sous vide dans le public. Est-ce que vous allez pouvoir prendre votre revanche ? Regardons ça tout de suite. Il s'agissait bien de nanoparticules sous vide. On peut dire donc un point pour le public, un point pour les candidats et candidates. Le score est extrêmement serré. C'est moi qui donne les points, donc. C'est à égalité. Tout le monde a 10. Vous êtes tous formidables. C'est parfait. Est-ce qu'il nous reste encore une image ou pas ? Oui ? Ah oui, il nous reste une image. Je crois que c'est la dernière, il me semble. Oui, c'est la dernière. Dernière image. On se concentre et on laisse encore un petit peu de temps au jury pour arriver. Une jolie image qu'il va maintenant falloir décoder. Je vous donne les 4 dernières propositions. Première proposition, il s'agit de minuscules pétales de fleurs infusées pour faire des parfums. Et ça, ça se passe chez Dior avec Miari. C'était un test pour vérifier. Deuxième solution, il s'agit de neurones de la sclérose en plaques à l'Institut du cerveau qui sont rendus fluorescents. Et ça, c'est Ève qui joue avec ça. Troisième solution, de tout petits défauts de blindage dans des satellites chez Thalès. Et ça, c'est Saturnie, du coup, qui nous aurait ramené cette image. Et puis la dernière proposition, est-ce qu'il s'agit d'un feu d'artifice du 14 juillet vu depuis l'espace par un auteur inconnu à Paris. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là. Ouh là là, tout le monde n'est vraiment pas d'accord. On a toutes les couleurs possibles et imaginables. Le public est relativement d'accord sur des pétales de fleurs. On a quand même pas mal de pétales de fleurs avec un combat certain avec les neurones de la sclérose en plaques. Neurones versus fleurs dans le public. Et chez vous, nous avons pareil, hein, on n'est pas tous d'accord. On a des neurones, on a des micro-défauts. Elle n'est pas si facile, cette image. Hein. Elle n'est pas si facile. Ça se bagarre dans le public. Allez, on va regarder la dernière réponse. Il s'agissait de neurones de la sclérose en plaques observés par fluorescence au microscope. Et donc, comme vous le voyez, toutes ces images, eh bien, elles étaient évidemment en lien avec nos candidats et nos candidates qui ont fait tous des travaux absolument passionnants et qui sont venus aussi nous les raconter de manière passionnante. Et nous vous en remercions encore beaucoup. L'objectif, c'était d'attendre que le jury termine son rendez-vous, sa réflexion. Du coup, je pense qu'on va aller voir s'ils ont terminé. Et en attendant, soit je vous laisse discuter, soit je vous fais un numéro de claquette. Mais comme j'ai oublié mes chaussures de claquette... Comme j'ai oublié mes chaussures, on n'entend rien, donc de toute façon, on ne les a pas. On va aller regarder un petit peu du côté du jury, si jamais ils ont terminé. Je vous laisse discuter une petite minute, et puis on reprend dès qu'ils sont de retour. Merci à tous et à toutes.
Allez, notre minute est passée. La tension est à son comble, surtout du côté candidat de la salle, évidemment. Donc notre jury est revenu avec les fameuses enveloppes. On va pouvoir maintenant passer à ce moment tellement important de la remise des prix. Donc je vais demander, s'il vous plaît, à notre jury de venir ici à côté de moi. Et puis nous allons donc décerner les prix. Je vais demander aussi à Catherine Barrier, directrice de la Fondation Paris-Saclay, et qui représente François Mollot, président de la Fondation Paris-Saclay, qui va venir aussi pour participer à cette remise de prix. Et nous allons donc maintenant commencer sans tarder par le troisième prix du jury. Donc c'est Isabelle de Machy qui va annoncer tous les lauréats. Et ensuite, eh bien, nous aurons les prix qui seront distribués par différents membres du jury. On commence pour le troisième prix par Gabrielle Lemuller qui va distribuer donc le prix. Alors, Isabelle. Alors juste avant d'annoncer, on va faire un petit peu de suspense quand même, juste avant d'annoncer qui a remporté ce troisième prix, au nom du jury, je voudrais d'abord vraiment féliciter tous les finalistes et qu'on les applaudisse tous. Voilà, on voudrait vous dire qu'on a passé un excellent moment, que vous avez tous su trouver des mots personnels, que vous avez tous su nous toucher, nous émouvoir et nous apprendre des choses sur votre vie, vos ressentis. Et donc c'est vraiment un partage extraordinaire, ce concours. Et on vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps voilà, sur vos loisirs, sur vos vies, pour préparer ça et pour le faire avec autant de cœur. Donc vraiment bravo et merci de nous avoir permis de partager ça. Alors, évidemment, il n'y a que trois prix. Donc, il nous a fallu discuter, échanger, partager nos avis. C'était difficile parce que vous avez vraiment tous fait le job, en fait. Donc voilà, après avoir analysé, donné nos impressions, fait circuler la parole, rebondi, on a fini par se décider, même si on a envie de, encore une fois, tous vous féliciter. Et donc, pour le troisième prix, je vais appeler Benjamin Vébrois. Là, voilà, donc merci beaucoup, bravo, merci pour votre humour. Merci à vous. Merci à tout le monde d'être venu, merci à ma mamie, ma grand-mère, ma mère. Merci à Mélissa, Melwin, Mathilde qui sont venus, merci à tous les gens qui me regardent, merci à Thomas, à Ludovic, à Sébastien qui me regardent à l'agence. Merci à tout le monde, merci à Madame Piscinali d'organiser ça, c'est génial. Merci à tous, merci à Robin. Et je pense qu'on peut remercier plein de monde encore pour tout ça. C'est vraiment top, c'est vraiment bien de pouvoir permettre à des jeunes comme nous en apprentissage de justement d'apprendre à s'exprimer à l'oral tout simplement. Et voilà, de toute façon c'est objectif réussi. Et ça continuera. Bravo à toi. Le deuxième prix ? Alors, le deuxième prix est décerné à Caroline Guizou. C'est ça. Et voilà, et il est remis.
faut peut-être redire par qui il a été remis aussi. Alors, au niveau du deuxième prix, pardon, c'est Catherine Minubels du groupe EDF qui remet le... Ah ben voilà, ça fait... Merci beaucoup. Merci, chers membres du jury. Je remercie également mes professeurs, mon tuteur et mes camarades et le public à distance aussi. Et j'espère susciter l'envie chez de nombreux étudiants de devenir apprentis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons avant le premier prix du public au lauréat du avant le premier prix du jury, nous passons au lauréat du public. Et pour cela, eh bien, le prix va être remis justement par Catherine Barrier, directrice de la Fondation Paris-Saclay Université. Alors, le prix du public est décerné à Katia Bedja. Est-ce que tu veux dire un mot, Nadia ? Oui, on m'entend. Merci hein, pour commencer. Merci à mes sœurs qui sont là-haut, là, avec une amie. Merci à tout le monde qui me regarde en visio, hein, mes parents, tout ça et tout. Merci à vous qui vous êtes déplacés. Merci Madame Bichard qui est venue. On vous oublie pas. Et merci hein, pour dire encore merci. Et puis encore merci. Et puis voilà. Et puis merci. Merci à toi. L'instant est solennel. Dans cette enveloppe se trouve le premier prix. Et c'est Yann Cochetier qui, effectivement, va remettre ce premier prix. Le premier prix est décerné à Miali Rarivo-Harrison. Félicitations. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci au jury, merci aux étudiants qui ont participé à ce concours-là. Merci aux filles d'être venues. Merci Madame Bichard, merci Robin. Voilà, encore un grand merci à tout le monde et à ceux qui nous regardent aussi là actuellement en live. Merci. Et bien sûr, vous l'avez... Bien sûr, vous l'avez remarqué, un photographe est là pour immortaliser l'événement. On ne va évidemment pas l'immortaliser sans tous les candidats qui vont maintenant nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements, nourris et enthousiastes, pour la photo de groupe finale. On va essayer de se resserrer un petit peu vers le centre de la scène. Les petits devant, les grands derrière. Voilà, de très bons souvenirs pour maintenant et pour les années à venir. Et maintenant, eh bien, il est temps effectivement de remercier tout le monde. Pardon ? Ah, les autres participants ont aussi un cadeau. Tout le monde a gagné. Alors... Et pendant que justement tous les candidats et candidates reçoivent leur cadeau bien mérité, eh bien, je voudrais d'abord vous remercier, vous, merci à tous et à toutes d'avoir été là aujourd'hui, à la fois dans la salle, mais aussi sur Internet, pour suivre cet événement donc, qui était organisé par l'école universitaire de premier cycle Paris-Saclay avec le soutien de la Fondation Paris-Saclay. C'était donc mon apprentissage en 180 secondes. Bravo aux candidats
qui nous ont vraiment honorés de leur travail. Et merci aux différents partenaires de la soirée, la Fondation Paris-Saclay, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, la CASDEN EDF, Université Versailles-Saint-Quentin et l'Université d'Évry. Voilà, on a remercié tout le monde. Je voudrais remercier aussi Robin qui a participé et qui a aidé tous ces candidats pour qu'ils puissent se préparer à l'oral. Leur éloquence, eh bien, elle est là parce que lui les a aidés depuis plus d'un mois à s'entraîner à tout ça. Et puis merci aussi à l'équipe technique sans laquelle rien de tout ça, évidemment, n'aurait été possible. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Donc moi, je voulais vous dire que je travaille avec une équipe extraordinaire hein, qui passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc je vais les appeler et vous avez 3 minutes pour les applaudir. Donc ça va être Stéphanie, Martine. Non, venez, viens, viens Stéphanie, viens. Martine, Priscilla, Émilie, Ashka, Annabelle. Voilà. Merci à eux, hein, ils ont vraiment œuvré et c'était un très très gros travail. Merci. Merci à tout le monde. J'espère que cet après-midi, ce début de soirée vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura motivé. N'hésitez pas évidemment à en parler. Et puis, eh bien, nous nous retrouvons certainement l'année prochaine pour une nouvelle promotion et de nouveaux projets. Merci à tous et à toutes et au revoir. Merci. Merci.